Après le coup de pouce passé à la création de la Midesco à Konakankoro, vous avez été sollicité à Niamvoué, votre village natal, à la mise en place et la création de Midesc Nia. Quelles sont vos impressions après cette cérémonie? Merci. J'ai saisi l'occasion pour vous remercier d'abord. Oui. Pour remercier tous ceux qui étaient avec moi. Bien sûr. Et dire que après la création de la Midesco à Konakankoro-Bouaké précisément. D'accord. La même expérience que nous avions déjà en créant Midesco nous a amené à voir un peu plus loin. Bien sûr. À Tiesali, mon village paternel, Niamoui. D'accord. Pour voir un peu qu'est-ce qui n'allait pas dans le cadre du développement de ce village. Parce que ce village, je le trouve un peu enclavé. C'est vrai que le bitume, la nationale, la 3 passe par là. Mm-hmm. J'ai trouvé le village un peu malpropre. Oui. Quand on arrive, on ne sait même pas qu'il y a un village. Alors dans un premier temps, c'est ce qui m'a attiré. D'accord. Et je me suis dit, mais il faut redynamiser. Bien sûr. Cette mutuelle qui existait, qui était la Mudesnia. C'est-à-dire normalement la mutuelle c'était Mudenia. D'accord. Et je me suis dit comme ça, il fallait apporter quelque chose de nouveau. De nouveau. Donc tout de suite, j'ai dit, bon ben il fallait créer la Mudesnia. D'accord. Qui signifierait la mutuelle pour le développement économique et social, culturel. Okay. De Niamoui. Ah. Voilà un peu mon inspiration. C'est une nouvelle touche, président. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Cette idée est venue de qui? Est venue des cadres, est venue de vous? Bon, normalement, cette idée est venue de moi parce que j'ai réfléchi un peu. D'accord. J'ai fait des analyses parce que je dis, quand je venais bien, quand j'arrivais, la mutuelle était Mudenia. D'accord. C'est-à-dire la mutuelle pour l'entraide à la écoute de Niamoui. D'accord. Je me suis dit, bon, mais c'était insuffisant parce que, bon, ben, écoutez, il y a du social, il y a le côté culturel dans tout village. Donc, même s'il y a le développement, mais il y a le social et il y a le culturel. D'accord. Donc, voilà, ajouter S et le C. Oui, bien donc, sûr. C'est ce qui est devenu Mudesnia. Nia. Ça, c'est ma propre inspiration. Ah, d'accord. Voilà. Mais décidément, partout passé, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une nouvelle touche. Parce que quand vous étiez à Konakankoro, au grand rassemblement de Konakankoro, la Mudesco n'existait pas dans son nom en tant que Mudesco. Donc, ce qu'on comprend, c'est que partout où vous passez, il y a ce que vous apportez de nouveau. Quelle a été la véritable expérience de Konakankoro qui a apporté dans la Mudesnia? Bon, merci bien. Vous savez, moi, j'ai toujours opté pour le développement et pour l'union. D'accord. Voilà, surtout l'union. D'accord. Et j'aime toujours prôner l'union parce que j'aime composer avec les gens et puis j'aime voir un village uni dans son développement. Bien sûr. Donc comme ça, effectivement, à Konakankoro, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de mutuelle. Hein. Bien sûr. Il n'y avait pas de mutuelle. Oui. C'était des associations de jeunes. C'est ça. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une mutuelle? Donc bien déjà sûr. En 2010, bien sûr. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon écoutez, il faut créer une mutuelle. Donc la Midesco à Konakankoro, c'est là aussi la mutuelle pour le développement économique et social et culturel okay. de Konakankoro. Ah. Donc c'est ce qui a été mené de l'autre côté à Tiesali, à Niamoui. Voilà, pour dire aux frères que voilà, il faut l'union, bien sûr. Pour poser beaucoup d'actes pour le village, il faut le social, tout ça. Bien sûr. Voilà. Quand nous étions à Konakankoro, ce qui est sorti dans la mutuelle de Midesco, c'est la partie essentielle, c'est Eboyekun. Oui. Eboyekun signifie quoi, président? Bon voilà, écoutez, Eboyekun c'est l'union, hein, c'est tous ensemble. Ça dit qu'il faut qu'on soit ensemble. Là, c'est ce que ça veut dire normalement. Il faut que tout le village, toute la population, tous les frères et sœurs soient ensemble. C'est-à-dire Eboyekun. C'est-à-dire avoir le même fardeau, le même bagage, il y a tous les mêmes problèmes, il faut les soutenir avec l'union. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui a dû Eboyekun en Baoulé. Ah, d'accord. À vous entendre parler, c'est-à-dire partout où partez, c'est le rassemblement, le vivre ensemble. Pourquoi le choix s'est porté sur votre personne? Parce que Midesco, vous étiez là. Mudesnia, vous êtes là. Pourquoi le choix s'est porté sur votre personne, président? Oui, merci bien. Vous savez, dans toute chose, hein, c'est Dieu qui fait tout. Hein. C'est Dieu qui établit l'homme dans tout ce qu'il doit faire. Donc,
Je dis bien, quand j'arrive, la première chose dans un village, ce qui attire mon attention, c'est l'union, le social. Bon, mais quand je vois que les gens ne sont pas unis et que le social n'existe pas, que chacun de son côté, tout de suite, bon, peut-être que c'est ma manière de faire qui fait que les gens ont toujours le choix porté sur moi pour dire, mais ce monsieur ou bien ce fils-là, oui. Bon, il est bien pour l'union, donc il faut qu'on l'aide. Parce que moi, je commence à poser des actes sans toutefois chercher à ce qu'il y ait quelqu'un. Et bien les sûr, actes que je pose, c'est les actes pour rassembler, bien c'est sûr, les bien actes sûr. D'union. Bien sûr. Donc celui qui veut, qui aime l'union, bien quand sûr. Tu poses des actes qui vont à l'endroit de l'union tout de suite, lui, il adhère. Bien donc bien à sûr. Peu près, c'est ce genre de trucs, ce genre d'actions que nous menons et qui fait que, bon, partout où j'arrive, les gens sont là autour de moi pour faire l'union. Voilà. Quand nous étions, par exemple, à Konakankoro, ce qui est ressorti, c'est que dans toute action que vous posez, ce qui nous ressort, ce qui nous revient constamment, c'est que il y a la sociabilité et il y a la culture. Président, sur quoi vous vous cadrez ces deux entités, sociabilité et culture? Oui, en fait, dans le domaine social, vous savez, je suis un monsieur qui a connu un peu de difficultés, qui a connu des difficultés dans la vie. Et tout à l'heure, tout de suite, je me suis dit, mais écoutez, il faut que je saute sur tout ce qui est social parce que je ne veux pas voir mon prochain souffrir. Bien je ne veux bien pas bien voir sûr. Mon prochain avoir des difficultés, qui est toujours en train de se morfondre, qui ne sait bien pas sûr. Ce qu'il va faire. Quel... Trop de problèmes, j'aime pas. Ça, franchement, je le dis. Autour de D'accord. moi, j'aime toujours la gaieté, j'aime que les gens soient vraiment gais, que les gens soient heureux autour de moi. Donc, tout de suite, quand j'arrive dans un secteur bien précis et que je vois que ce côté-là, je dis, mais c'est pas possible. Et quand quelqu'un doit être en paix, D'accord. il faut la culture. Bien parce sûr, que bien sûr. Partout, il y a la culture, il y a la paix, les gens rient, les gens s'amusent. Bien sûr, bien voilà bien un bien. Peu pourquoi je lis les deux choses tous les jours. Bien sûr. Parce que quand il y a la culture, il y a le rassemblement, bien sûr. Et les gens se frottent. Et là, bon, peut-être tout à l'heure, il y a l'entente. Voilà un peu pourquoi je fonde mon truc sur ces deux entités qui sont ici. Ces deux aspects voilà. de la vie, voilà. Et ce qu'on pense, c'est que, c'est, contrairement à d'autres villages, président, les fils et les filles hein, du village étaient tous réunis autour de la Mudesnia. Et quelles ont été vos impressions de voir tous les cadres, fils et filles, réunis autour de l'argile? Quelles étaient vos impressions, président? Oui, merci bien. Bon, mais c'est des impressions de choses. J'étais très heureux de voir parce que des fils qui ne se rassemblaient pas à tout moment dans ce village, des gens qui ne se retrouvaient pas quand l'autre est là, l'autre n'est pas là, quand l'autre vient, l'autre est parti. Bon, ben, tout de suite, comment je retrouvais autour de la Mudesnia cette rue, c'est grand cadre, c'est haut cadre. Hein. C'est pas un nom de moi, c'est de grand cadre, ça je dis. Bien sûr. C'est de grand cadre, des ministrables. Qui n'arrivent pas à se mettre ensemble pour poser des actes nobles, je me dis, mais écoute, aujourd'hui, c'est un jour. Ils sont tous arrivés, ils sont tous venus. Bon, ben ça s'est bien passé. Bien sûr. J'étais très heureux. À la fin, ils nous ont fait des accolades. Bien chacun sûr. De nous était content de se retrouver. Et même, ils ont demandé que ça se répète encore pour que l'union soit vraiment scellée bien autour sûr, de ce village qui est un grand village, bien sûr. Qui est le premier village même de Tiersalé. Ah le oui. premier village des Elomouins, parce que nous, notre ethnie là-bas, c'est les Elomouins. Bien sûr. Nous avons 5 villages Elomouins. C'est D'accord. le premier village phare. Ah oui. Et la porte d'entrée de Tiersalé. Ah oui. Alors pourquoi ne pas poser des actes pour que ce village-là soit un village miroir? Bien sûr, bien voilà. sûr, président. Moi, c'est là mon objectif, un village miroir. Et partout où tu passeras, qu'on parle de Tiersalé, Tiersalé, et Niamouins, c'est le village qui a son histoire dans le patrimoine français. D'accord. Au musée français, oui. Il a son histoire. C'est le seul village aux côtés de Tiersalé un peu partout oui. qui a son histoire en Europe. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que nous parce que c'était le comment je pourrais appeler ça le comptoir du sel. D'accord. Voilà, c'était le comptoir du sel. Donc pourquoi ne pas donner une belle image D'accord. à Niamouï? Alors c'est l'âme, c'est ce que je pensais. C'est le grand message que vous portez. Et là vous êtes en train de nous apprendre sur l'histoire même de la Côte d'Ivoire par rapport à Tiersalé. C'est ça. Président, il y a quelque chose qui me trottine la tête. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui a connu une souffrance, qui aime partager la souffrance des autres. Quel est le pays qui vient rassembler deux peuples de Passa, ils sont du village maternel et puis du village qui est, qu'on appelle ça, paternel. Qui êtes-vous, président? Qui donnez de l'espoir aux autres, qui menez des actions
mettre pour rassembler le village paternel et le village maternel. Quelle est la puissance de votre force pour rassembler ces deux peuples? Merci. Bon, en fait, j'ai dit que moi, quand je pose toujours mes problèmes, j'ai dit que quand je dois poser un acte, je mets toujours dans la main du Seigneur pour lui donner un peu mon inspiration. Donc, oui, sortir de nulle part, c'est vrai, c'est une réalité. Parce que quelqu'un qui vient les mains ballants, les bras ballants, mes bras ne sont pas chargés de quoi que ce soit. Bon, mes bras ne sont pas chargés de fortune, mais j'ai que ma parole et ma personne. D'accord. Et mes actes que je pose, malgré mes modestes moyens, pour dire aux gens que, écoutez, c'est pas parce qu'on n'a rien qu'on peut rester en dehors de tout. Bien sûr. Même quand on n'a rien, il faut poser des actes pour être... pour le développement soit de son village. Bien sûr. C'est vrai, Niamoué, c'est mon village paternel. Bon, mais je me suis dit, mais écoutez, Niamoué, c'est un gros village, comme je l'ai dit. Bien sûr. Alors, je ne peux pas venir à Konaka pour poser des actes pour la MUDESCO. Bien sûr. Et puis ne pas poser des actes pour la MUDESNIA. Bien sûr. C'est pas normal. Parce que tout compte fait, on dira l'homme a deux villages. Bien sûr. On dit, mais il a le côté paternel qui est Niamoué. C'est ça. Là-bas, il est vide. C'est ça. Et le côté maternel à Konaka Kro. Et là-bas, c'est plein. Bien sûr. Mais bien pourquoi sûr. Pourquoi? Oui. Et si je ne fais même pas attention, si propagande. Ceux même de Konaka pour moi dit mais chez toi même ils diront mais chez ton père même il y a quoi là-bas. Bon, donc moi je sais, voilà ce que j'essaie de faire pour arranger les deux côtés. Oui, bien sûr. Pour que bon ben chacun se trouve voilà, que la jeunesse vraiment soit en expansion. Bien pour sûr. Que la jeunesse puisse travailler, pour que la jeunesse sache qu'ils sont dans un village et qu'ils arrêtent de s'adonner à ce qu'il ne faut pas. Voilà un peu voilà. Je vous remercie, mais j'ai dit que moi sans ces actions je ne vis pas. Moi je le dis ouvertement, hein. Sans ces actions de charité, sans ces actions de bienfaisance, moi je ne vis pas. Je peux passer une semaine dans la solitude, même avec mon épouse, à la maison, mais je suis toujours parti. Parce que j'ai envie d'être toujours au milieu des gens, de chercher à résoudre le problème d'autrui, parce que je me dis que l'homme n'a pas droit à la souffrance. D'accord. L'homme n'a pas droit à la souffrance. C'est nous-mêmes qui faisons que nous souffrons. Donc quand le minimum vital est là, oui. Il faut aider l'autre qui est en train de souffrir. Donc moi je pars toujours. Il y a des moments où je fais des déplacements dans des villes, dans des villages, rien que pour m'en acquérir des situations des autres. Bien sûr. Pour pouvoir, pour moi, c'est comme ça. Donc même quand je suis en dehors d'eux, je ne vis pas. Donc c'est pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et je fais comme ça. C'est votre personnalité. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Président, avec toutes ces tâches que vous avez, d'un côté maternel, d'un côté paternel. On va dire, n'est-ce pas là, l'entité vraiment d'une grande responsabilité que vous avez, Président? Que de faire du côté du père par rapport à la MUDESCO et de revenir au côté de la mère par rapport à la MUDESCO et de revenir au côté de la mère du père par rapport à la MUDESNIA? N'est-ce pas là la forme d'une grande responsabilité, Président? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Les responsabilités sont toujours grandes, hein? On ne peut pas les mesurer, on ne peut même pas les peser. Les responsabilités sont toujours grandes. Mais il faut assumer. Il faut toujours. Un homme, quand tu nais et que tu prends de l'âge, il faut toujours chercher à poser des actes indélébiles partout où tu passes. Il faut marquer son passage. Il faut marquer son passage de façon positive. Il faut marquer son passage de façon positive. Moi, c'est là mon problème. Et pour marquer mon passage de façon positive, il faut qu'on sache qu'à Niamoué, il y a une telle famille qui existait. Il faut qu'on sache qu'à Konaka Kro, il y a une telle famille qui existait. D'accord. Parce que voici l'acte qu'ils ont posé, voici l'acte qu'un tel fils a posé. Il faut laisser des traces. Et faire de telle sorte que les gens soient heureux derrière toi. C'est-à-dire, demain même quand tu n'es plus, mais les gens soient heureux derrière toi. Et déjà, c'est, pour moi, c'est déjà quelque chose que je gagne. C'est un message fort, bien oui, sûr. C'est quelque chose que je gagne. Quand je sens des gens sur mon passage, je regarde derrière, les gens sont souriants. Je suis heureux. Mais quand tu passes et tu regardes derrière, les gens sont en pleurs. C'est malheureux, en fait. Bien sûr. Voilà, donc... Vous entendre parler, vous êtes voilà. Très sensible. Oui. Voilà, effectivement. la tâche est bien sûr peut-être lourde, mais pour moi, aux côtés de Dieu, ce n'est pas des tâches lourdes, parce que Dieu même en a fait plus que ça. Voilà, donc... Vous prenez encore des déterminations par rapport à après cette activité. Quelle va être l'autre activité que vous allez porter par rapport à la MUDESNIA, Président? Oui, la MUDESNIA, je suis en train de redynamiser la mutuelle. D'accord. Je suis en train de redynamiser la mutuelle, donc je travaille pour la redynamisation de cette mutuelle. MUDESCO étant déjà redynamisé, est sur les rails et a déjà bâti certaines choses. D'accord. Mais je pense que la MUDESNIA, je vais remettre la MUDESNIA sur les rails jusqu'à ce qu'on sente que Niamoué existe à Tiassalé, que Niamoué est la vitrine de Tiassalé. Et c'est ce que je suis en train de travailler, je travaille là-dessus. Et quand j'aurai fini, d'accord. Je pense qu'il y a d'autres étapes et j'aurai l'occasion de déballer. D'accord. Voilà. Président,
Quelles sont les nouvelles actuellement de la MUDESCO? Oui, la MUDESCO se porte très bien. La MUDESCO se porte très bien parce que, écoutez, nous avions déjà pensé, nous avions déjà commencé à faire des réalisations. Et aujourd'hui, nous sommes sur un projet de réfection de notre étape, de notre école primaire. D'accord. Nous sommes en train de faire l'adduction d'eau au niveau des nouveaux quartiers de Conakry. Donc écoutez, nous sommes à pied d'œuvre. Hein. À la MUDESCO, nous sommes à pied d'œuvre, nous travaillons, nous avançons. Voilà. Ok, président, on raconte partout que derrière un grand homme se cache une grande femme. Vous êtes marié, président? Bien sûr. Marié, vous pouvez nous donner discrètement le nom de votre épouse? Oui, mon épouse est à l'étape civile Kofi Amoué Pascaline. Ah, d'accord. Et comme vous savez, quand on est unis, c'est Madame Kofi née Kofi Amoué Pascaline. Voilà, justement. Ah, d'accord. Madame Kofi née Kofi Amoué Pascaline. D'accord. Voilà. Parce qu'on connaît le président, tout le monde connaît le président. Quand le président marche, tout le monde veut savoir, mais comment, d'où est-il cette énergie? Alors, la dame nous dit, derrière un grand homme, elle se cache une grande femme. N'est-ce pas la femme qui vous transmet cette énergie fondamentale, président? Oui, logiquement, hein, vous savez, quand un homme est lancé dans ce genre de truc, il faut te dire que derrière lui, la femme qui est là, est toujours partant. Hein. Elle apporte son grain de sel, elle est positive. Bien sûr. Parce que il serait difficile, parce que quand vous êtes marié, vous faites un. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et dans tout ça, vous savez que c'est les moyens qui partent. Hein? Bien sûr, bien sûr. Et quand la femme n'est pas pour, c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas poser certaines actions. Bien sûr. Moi, mon épouse, j'ai dit que elle ne s'est jamais mise au devant. Elle n'a jamais dit qu'il ne faut pas le faire. Toujours quand c'est dans du social. Bien sûr. Elle-même, c'est elle-même qui te réveille le matin pour te dire, mais écoutez, il y a telle chose à faire, mais pourquoi tu ne fais pas? Donc, j'ai dit que c'est vraiment c'est une femme au grand cœur. C'est pour avoir le courage, c'est une femme au grand cœur. Voilà. N'est-ce pas la même énergie que vous partagez, président? Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand je suis à la maison aussi, j'ai le sourire. Oh ouais. Dehors, je suis très à l'aise. Bien mais sûr. Si à la maison, je n'ai pas le sourire, mon bien ami, sûr. Dehors, tout le monde a des problèmes. Bien sûr. Celui de mauvaise humeur. Donc, c'est pour dire que c'est la même énergie qu'on partage. Vraiment, à vous entendre parler, vous avez parlé beaucoup de vos activités dans les deux grandes mutuelles, sans parler de vos difficultés par rapport à l'avancement de ces deux grandes mutuelles. Président, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, à la MUDESCO, à la création de MUDESCO et la MUDESCO, et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, dans la faisabilité, par exemple, de l'AG? Ok, vous savez, je suis une personne, hein. Si je vous dis que sur tout mon parcours, je n'ai pas de difficultés, que je ne rencontre pas de difficultés, c'est faux. Mais vous savez, moi, j'ai dit que quand je pose un acte, toujours c'est Dieu que je mets au devant. Et quand un enfant de Dieu n'a pas d'obstacle sur son passage, c'est comme si tu n'étais pas un enfant de Dieu. Il faut que tu aies des obstacles pour que tu saches que Dieu est derrière toi, pour que tu reconnaisses la voix de Dieu. Donc moi, j'ai dit qu'effectivement, les difficultés, c'est dans la vie humaine. Hein? Bien sûr, bien humaine, sûr. Il y a toujours des difficultés. Bien sûr. Dans toutes choses que tu fais, il y a des oppositions. Bien sûr, bien sûr. Par-ci, par-là, tu ne peux pas faire l'unanimité. Hein? Bien sûr, bien sûr. Donc on fait avec. Bien sûr. Et c'est des difficultés qu'on voit tout le temps. Hein? Bien tout sûr, le temps. La jalousie, l'hypocrisie. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça, c'est des trucs que moi, moi, quand je me réveille le matin, je me dis que la jalousie et l'hypocrisie m'existent à côté du monde. Bien sûr. Donc je n'en fais même pas cas. Et je franchis et je m'en vais, je continue. Est-ce à dire que vous avez cette pensée-là, hein, d'un grand homme que je ne vais pas citer, qui dit qu'en réalité, le bonheur n'existe que par la capacité de surmonter les difficultés? Effectivement, effectivement. Je le dis, moi-même, mon père le disait. Hein. Mon père le disait, il me disait toujours, mais écoute, quand j'étais très jeune, il me disait, écoute, la même endurance que tu as, il faut la prendre jusqu'à ce que tu termines un jour. Parce qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que j'étais un garçon très courageux. D'accord. Depuis mon jeune âge, j'étais très courageux, j'aimais être avec les gens, j'aimais aider les gens. J'étais toujours parti, donc les difficultés, je savais que j'allais les rencontrer, plusieurs oui, même d'ailleurs. Bien sûr. Mais je n'en fais même pas cas. Les difficultés ne font pas partie de mes leçons que j'ai dit. D'accord. Voilà, mais les difficultés ne font pas partie de mes leçons parce que je sais que quoi qu'on fasse, on est tous des hommes sur la terre. Bien sûr. Ce qui est sûr et certain, tu ne peux pas faire l'unanimité. Bien sûr. Donc il y a des gens qui vont te mettre le bout de banane sur la route. Bien sûr, bien sûr. Il faut essayer de les sauter, les franchir et partir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Gérer le foyer et puis transmettre son énergie à monsieur. Qu'on voit qu'il déploie une force vraiment énorme pour deux organes. L'une a été créée il y a un peu longtemps, l'autre va être nette maintenant. Qu'est-ce que vous faites pour faire pour,
qu'est-ce que vous utilisez pour donner cette énergie à monsieur? Ce que j'utilise, c'est l'amour. L'amour? Non, ça, je ne comprends pas. Expliquez ça un peu de façon très explicite. Vous savez, l'amour gosse beaucoup de choses. La patience. Apprendre à écouter. Apprendre à soutenir. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Dieu qui nous donne la force. La Bible nous dit qu'une femme vertueuse bâtit son foyer. Mais c'est à moi de le soutenir. C'est à moi de le comprendre. Vous avez dit apprendre à écouter. Apprendre? Apprendre à aimer. Apprendre à aimer. À soutenir. Vous avez déjà bâti le foyer. C'est pour cela que ce foyer bâti est réjaillit sur lui. Cette lumière, ce foyer déjà bâti, c'est cette énergie qui réjaillit sur monsieur dehors. C'est ça? Je pense bien. Félicitations. Merci. Président, oui. Voilà ce que madame dit. Est-ce à dire que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai parce que vous le constatez. Oui, bien sûr. Vous le constatez. Pour ceux qui nous rendent visite très souvent, nous sommes des complices, elle et moi, parce que je ne fais rien sans demander son avis. Et quand je demande son avis, elle dit attends qu'on mette ça en prière. Quand le moment arrive, elle dit bon, vas-y. Donc je me dis souvent, mais quand elle met toujours en prière, tout est positif. Hein. Ah, bien sûr. Très souvent, quand il s'agit de ce genre de trucs, elle me dit vas-y. Même aujourd'hui, nous venons de... Bon, nous n'avons pas pu partir. On a été sollicité par les femmes de Yamsogro, résident à Boaké, pour l'investiture de leur bureau, de leur présidente. Malheureusement, la maladie a fait que je n'ai pas pu y aller, elle n'a pas pu. Mais la MUDESCO, les responsables de la MUDESCO, oui, nous ont représentés dignement. D'accord. Voilà, et même si ça va sortir peut-être à TV2. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que elle me soutient et puis bon, ben, elle fait beaucoup d'analyses. Voilà. Et elle sait que nous sommes lancés dedans. C'est ça que nous allons faire. Vous avez la chance d'avoir une femme qui est beaucoup croyante parce qu'elle entend parler. Tout ce qu'elle dit est basé sur la spiritualité. Est-ce que vous-même vous êtes spirituel, président? C'est indiscret de ma part. Oui, pourquoi pas. Écoutez, quand la femme est spirituelle, oui, écoutez, et la spiritualité, c'est une grande chose. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est une grande arme. Une grande arme. Même si tu ne sais pas. Mais tu sais quand il faut savoir que Dieu existe. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Donc, j'ai dit qu'elle est encore plus avancée que moi. Mais moi, je sais de l'épauler, oui, dans ce sens. Bien sûr, bien sûr. Pour que nous fassions un. Bien sûr. Voilà, la spiritualité est de cette famille. Est de notre maison. Bien sûr. Tout ce que nous bâtissons, c'est Dieu qui le fait. Bien sûr. Voilà. Lui, il bouge beaucoup. Oui. Parce qu'il est beaucoup sollicité. Sollicité. Bien sûr. Mais quand lui s'en va, moi je suis à la maison. Il faut tenir le foyer. D'accord. Il y a des moments où on va ensemble. Il y a des moments aussi. Je vais seul. Moi je tiens le foyer. Et quand il réunit les conditions externes par rapport à la maison, oui, il dit madame, les conditions sont réunies. Tu peux venir maintenant pour que l'on aille ensemble. Justement. Et ça entend, madame entend de travailler pour réunir les conditions internes de la maison. De la maison. C'est ça? C'est ça. C'est juste une fusion. Félicitations à vous. Merci. On va aller pour le mot de fin. Président, vos impressions sur l'entrevue d'aujourd'hui et puis vos impressions par rapport à la MUDESCO. Ok, je vous remercie. Je pense que je disais tout à l'heure que j'étais très heureux. Et quand les hommes se mettent ensemble, quand les gens sont unis, moi je suis heureux quelque part. D'accord. Je ne veux rien en retour. En retour, ce que je recherche, c'est l'union et l'entente. La cohésion sociale. D'accord. L'entraide. Chacun est content quand il se réveille le matin. D'accord. Moi je suis encore plus heureux, plus gai. Donc mes impressions, c'est... Je suis très heureux, content, très ému de voir les gens heureux. Ok. Donc, je ne pourrais pas dire grand chose, mais pour dire que pour la MUDESCO, je dirais que je demande à tous mes frères et ceux, les cadres,
surtout les cadres. Je leur demande c'était un appel, hein. Un appel. Bien sûr. Les cadres, surtout les cadres de Niamouï. Ok. Je leur demande pardon. D'être un. La main dans la mer. Bien sûr. C'est la seule chose qui peut sortir Niamouï de sa léthargie. C'est la seule chose. Et encore si les cadres sont unis, qu'ils sont ensemble, les jeunes frères, jeunes sœurs... Au niveau national comme au niveau international. International. Les autres frères qui sont au village, ils seront contents de vivre. Bien sûr, bien sûr. Quand on leur demandera de faire un travail, ils le feront. Dans la salubrité, dans tous les enfants le feront. Et qu'on pense surtout à les aider, qu'on pense surtout à sortir ces frères et sœurs qui ont des difficultés. D'accord. De tous leurs problèmes, qu'ils sortent de là et nous serons plus heureux. Bien lorsqu'on sûr. Verra un frère qui a des difficultés, un frère qui a les possibilités de lui acheter un morceau de pain, nous serons de plus en plus heureux. Bien sûr, bien sûr. Mais si nous laissons notre village dans les conditions où le village se trouve, quand nous allons dehors, malgré nos biens, malgré tout ce qu'on aura, on nous demande vous venez d'où? On dit on vient de Niamouï, tiens, salut, on dit mais. Tu ne pourras même pas dire que tu viens de Niamouï. Parce que bien tu sûr. Sais que ton village n'a rien. Bien donc qu'on fasse un effort pour s'entendre et de relever le défi pour que Niamouï avance. Bien sûr. Ça, je tiens à le dire. Et que le train est là. Le train marche. À gare. Le chef Nanan Dakassi 2 est à bord du train. Bien sûr, bien sûr. Le train va démarrer bientôt. Bien sûr. La Mudesnia va démarrer. Bien sûr. Il ne faudrait pas que quelqu'un reste en marge, la Mudesnia. Parce qu'on ne va pas regarder dans le rétroviseur. Nous, nous avançons. Bien sûr. Avec le chef, nous allons avancer. C'est pourquoi je tiens à dire merci au chef Nanan Dakassi 2 qui, lui, a pris le train en marche. Il s'est dit, voici quelque chose qui arrive dans mon village. Bien sûr. Il faut que je saute dessus. Il faut que je bondisse sur la chose. Bien sûr. Et ce monsieur, vraiment, il m'a impressionné. Parce qu'il a donné son accord. Bien sûr. Et il est resté avec nous. Et il a dit que lui est d'ailleurs embarqué dans le train, lui et sa famille déjà embarqué dans le train, bien sûr. Que les autres suivent, qu'il ne peut plus faire marche arrière. Alors je tiens à lui dire merci et qu'il continue et il ne sera pas déçu de ses enfants que nous sommes. Bien nous sûr. Allons poser tous les actes possibles pour que la Mudesnia soit grande et grandisse pour tout le temps et que Niamouï soit la vitrine de ses enfants. Je vous remercie. Je vous remercie, Président. Merci pour cette entrevue. Merci beaucoup, madame. Merci.